Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière car il s'agit d'une rediffusion. Ça faisait à peu près 2 mois qu'avec des collaborateurs photographes nous étions sur un projet commun qui était le Picture Show. Qu'est-ce que le Picture Show? Il s'agit tout simplement d'un groupe critique et d'une émission qui aura lieu tous les derniers dimanches du mois sur Instagram, Facebook, Twitter... Twitch? Non, y a pas Twitter en plus, qu'est-ce que je raconte moi? Sur les moult réseaux sociaux qui sont liés à ce groupe critique. Et ce dimanche 24 février était la première édition de ce live. Donc je vous demanderai de bien vouloir être indulgent par rapport à cette première car il s'agissait d'une première. Cette vidéo est également tournée de sorte à vous montrer comment ça s'est passé pour ceux qui ont raté ça. C'est-à-dire que le live a duré 3 heures. Normalement, il est censé durer 1 heure et demie. Et j'ai condensé le tout en 20 minutes. Donc forcément, il y a un peu de perte. Bon, un petit peu, un tout petit peu de perte. Cette émission est dédoublée en 2 voire 3 points majeurs, qui est la critique, un débat et bien évidemment l'interaction avec les commentaires que vous mettez sur les lives. Donc dans cette vidéo, on va surtout s'attarder à la partie critique, car concernant le débat, ça a duré beaucoup trop longtemps. Je n'arrivais pas à faire un montage correct parce que j'avais tout le temps l'impression de couper la parole ou de couper un élément qui était important au débat. Donc globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est ça. Ta gueule Facebook. Alors, on a un technicien quand même avec nous, à ma droite. Monsieur le technicien, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis, s'il vous plaît? À quel sujet? Sur la technique. Moi, pour moi, la technique, c'est essentiel, mais arriver à un certain stade, à partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, tu connais ton modèle, et admettons que t'as envie de faire du Star Wars, comme on pouvait dire tout à l'heure, au bout d'un moment, la technique, je pense que tu peux t'en battre les couilles. Oui, je l'ai pas précisé, pardon, mais il s'agissait d'un débat sur la technique. Est-ce ou n'est-ce pas important? Sur ce, je lance le générique et on se mate ça juste après. Et en attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne respective du Picture Show si le contenu vous intéresse. Bon visionnage, ciao! Non, est-ce que tu nous dis qu'on a le son là? Et est-ce qu'on est en retard? Oui, on est en retard. 3 minutes, on est en retard. C'est bon, ça va. Écoutez, hein, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. On adore. Ça, c'est ringard comme réflexion. Moi, je vais plutôt vous parler de cette magnifique eau. Hein, pardon? Non, rien. L'eau la plus dégueulasse du monde, merci. Et si vous vouliez savoir c'était quoi la marque, moi j'ai réussi à sauver la marque. D'ailleurs, vous me donnez 40 euros. Ouais, et d'ailleurs, Mélanie fait gagner une montre. Bon, bah, on commence, hein. Bah, bonjour. Salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce live du Picture Show. C'est ça, le c'est ça. On a choisi le présentateur de On adore, je me sens soutenu dans mon équipe, c'est incroyable. Dans notre équipe, nous avons à ma gauche Alex de la chaîne La Retouche. Ouais. Dites-le merci parce que si le live fonctionne à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Mais attends, voilà. Attends, on n'est pas arrivé à faire présenter. Attends, mais on n'est pas au remerciement. Donc, nous avons Mélanie Buffetot de. Ok, merci, suivante. Moi, je suis modèle et photographe et j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Superbe. Eh bien, nous avons à ma droite Julie. De Souza. De Souza, voilà, on précise. Photographe, et voilà, je suis très contente d'être là pour le premier live du Picture Show. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, et voilà. Et à ma droite, j'ai. À toi. Bah, Florian. Non, bah, c'est toi. Bah, t'es aussi à sa droite. Laquelle? Le meilleur pour la fin. Bah, Florian, ce sera le meilleur. Bah, moi, je m'appelle Kevin, voilà, je suis photographe de studio. Mm-hmm. Et puis voilà, que dire de plus, Florian. Ah, d'accord. Ah, c'est tout. Il a ramené les rallonges, donc technicien rallonge, technicien multiprise, technicien RG45 et technicien tout court. Voilà, merci Kevin. En gros, Florian s'est occupé de toute la partie hardware, software sur OBS, et moi je me suis occupé de tout le reste en hardware. Pour vous proposer un live de qualité et pas un vieux truc Instagram. Je vois pas les problèmes en Instagram. Oh, mais tout le monde me connaît. Ah, moi c'est Florian Agnière de la chaîne Full Frame, et comme il a été dit par Kevin et vous autres, bah, toute la partie Tecos aujourd'hui. On te remercie. C'est nous. Du fond du cœur. Eh bien. Avez-vous vu cette eau? Cette eau si dégueulasse. Arrête les placements de produits, on a dit. Non, nous ne sommes pas sponsorisés. Comment c'est la première partie? Nous avions communiqué dessus cette semaine et vous nous avez envoyé eh bien, vos travaux. Donc on a fait une petite sélection et on va commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes tous chauds là? Oui. Allez, chaud. Ouais. Allez, des petits ma blancs, déco ouais. On adore. Donc c'est Victor Laurent, El famoso Victor. Bah bon. J'espère que tu vas bien Victor, et aujourd'hui eh bien, on va commencer avec ta photo. Positif, qu'avez-vous à dire dessus? Bah moi vu que je suis tout là, je ne vois rien. Victor, c'est la super. Mauvaise foi. Change on va rien, se serrer. C'est parfait. On va se serrer. Non mais Florian, je trouve que d'être mauvaise foi parce que de là où je suis, on voit quand même une tache blanche. Ouais, enfin c'est voilà. Un ordinateur de la marque Dell. Dell, voilà.
Merci à Dell de nous sponsoriser. Ah non, c'est ils nous ont pas sponsorisé. Nous ne sommes pas sponsorisés. Si je peux commencer par la critique positive, j'aime beaucoup beaucoup le contraste de la photo avec les blancs qui sont bien marqués, les noirs, le fait que les lumières sont bien placées. Je trouve qu'on a l'impression de suivre un chemin et c'est assez immersif comme photo. Et je la trouve en même temps minimaliste. On a peu de détails, donc moi je trouve qu'elle est très bien gérée au niveau des contrastes. Peut-être les noirs, j'aurais fait un tout petit peu plus pour voir un petit peu plus la photo, parce que je sais pas si c'est ton écran, mais là on voit quand même pas très très bien. Ah, tu veux dire re-exposer un peu les basses lumières? Voilà. Ouais. Sur cet écran d'elle. Ouais. Pardon. Écran d'elle qui n'est pas calibré, mais. Je pense que vous êtes heureux de savoir à quel point on est tous avec cet écran d'elle. Voilà, alors. Autre chose? Ouais, on sent une ambiance cinématographique. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire. On sent qu'on est dans une introduction de film. J'aime beaucoup les noirs, moi. Et je sais pas, ça m'invite un petit peu à rentrer dans l'histoire. Voilà, dans un premier temps, je pense que ça crée une belle ambiance. Je rajouterais que le format paysage, qui n'est pas vraiment le format d'origine, on remarque, alors je sais pas si c'est quel format c'est exactement, mais ce côté paysage qui rappelle un peu le côté cinéma, renforce l'idée que Julie et Alex soutiennent. Donc ça, c'est un très bon choix. Est-ce que pousser jusqu'au 16/9, donc pour ceux qui connaissent les formats 16/9, 16/10, ça aurait accentué la chose encore plus? On est en 16/9. Je crois qu'on est en 16/9, donc ouais. Donc au bas. On est vraiment sur un format de cinéma, donc du coup, très bon choix de format en tout cas. Félicitations à Victor. Si tu veux pousser, tu cales ça en 16/9, en 21/9, et ça m'inspire, mais tu me cales une soucoupe volante avec un mec qui se fait emporter par... Non mais en vrai, un putain de photoshopage où t'as une scène d'action, c'est l'aspect sombre de l'image, tu me cales ça en 21/9 avec un mec qui se fait emmener par un rayon et qui est mort dans une soucoupe volante, moi je trouvais ça cool. Là, mais tu me rends du rêve. Tu trouves pas que la photo se suffit elle-même? Toi, t'as Bah la photo est très très bien, c'est pas ce que je dis. Mais t'as envie de plus. Moi ça m'inspire ça, ça me donne presque envie de la faire. Donc tu veux un défi, tu veux un challenge, trace-moi et fais-la avant moi parce que du coup ça m'inspire. Vas-y Victor, une petite soucoupe en PNG. Je suis pas d'accord avec toi, contrairement à toi j'aurais pas rajouté des éléments, j'en aurais même enlevé pour accentuer le côté très vite de la photo. Par exemple à droite, tu vois le petit panneau stop que j'arrive à voir très légèrement. Ici, voilà, ici. Vas-y, t'es mal à l'aise. Avec les petits, les poteaux, etc. Et la petite lumière qui pour moi gâche un peu le parcours, le chemin, tout ça j'aurais viré, j'aurais renforcé le côté noir et vraiment pour accentuer encore plus le côté minimaliste de la photo. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Oh, j'aurais bien vu un petit personnage avec un trench coat, ambiance années 20. Ah ouais, carrément. Qui débarque, ambiance vieux détective avec une petite mallette. Zone 51, quelque chose dans ce style. En fait, moi je trouve qu'elle est super intéressante parce qu'on a tous, pensé à quelque chose, mais de très cinématographique, et en fait on est tous partis soit dans la fantasy ou soit dans les vieilles années, et du coup je trouve qu'elle est ultra intéressante pour ça. En fait on a facilement l'imagination, on rentre facilement dans la photo. C'est ça. Est-ce que justement là où ça serait hyper intéressant, c'est de prendre les gens à contre-pied et au lieu de renforcer ce côté un peu cinéma, c'est de venir mettre quelque chose qui colle pas du tout? Pourquoi une girafe? Pas une girafe, tu vois, mais dans l'idée, on est dans... Elle disait que c'était à l'époque, tu vois, ça fait penser à l'époque. Genre, pas notre génération. Mais est-ce que quelque chose de notre génération qui rappellerait ce côté un peu moderne viendrait pas... ce serait pas intéressant, quoi. Moi, je pense à Stranger Things. Il était dur à dire, celui-là. Stranger Things. Là, tu vois, un petit peu ambiance années 80, revisité. Ouais, voilà, ça, tu vois. Un truc tout bête, tu mets un smartphone sur la table, celui-là aussi t'es dur à dire, tu mets un smartphone sur la table, là il n'y a pas de table, mais imagine que tu mets un smartphone en évidence, t'es sûr que t'es pas dans les années 80, pourtant toute l'ambiance est années 80, et du coup t'as une sorte de contraste qui s'établit entre l'atmosphère générale et ce détail. Moi je trouve pas qu'elle fait années 80 cette photo. Non mais c'est un exemple pour te dire à l'époque, j'ai pris une année années 80, mais on peut dire 60, 70, peu importe. C'est l'idée de contraster un élément récent face à l'atmosphère qui est plus ancienne. Ouais, carrément. Voilà. En tout cas, après, au niveau technique, moi, c'est bien réussi et tout, donc GG à toi, Victor. Ok, alors, c'est Aurélie Henault. Salut Aurélie, si tu nous regardes. Et bien, donc, c'est parti pour cette photo. Commence par Julie, parce que je crois qu'elle connaît Aurélie. Tu connais Aurélie, en fait, voilà. Julie connaît tout le monde.
Je trouve aussi qu'elle fait des très très jolies photos. Elle a ce côté toujours dans l'émotionnel, vouloir faire passer des émotions. Ce que je retrouve ici dans ce portrait, c'est au niveau du regard, c'est aussi la simplicité. C'est des photos souvent très très simples de la vie de tous les jours qu'elle fait. Donc là, je suis un peu surprise de la voir sur du studio, mais je trouve que ça lui va très bien aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le portrait en lui-même. En fait, on n'a pas d'informations autour, c'est-à-dire que là, on a un portrait et de la peinture qui est arrivée de nulle part. On est parachuté dans l'image, quoi. Alors que si on avait eu à la place du noir, en fond, on aurait eu un décor d'atelier d'artiste. On aurait compris pourquoi elle avait de la peinture. On aurait pu se dire, en fait, elle a fait de la peinture ou... Mais là, le fait qu'il y ait autant de densité à l'arrière, donc densité, c'est ce côté un peu sombre, finalement, on cherche quelque chose d'énigmatique mélangé à quelque chose d'artistique avec la peinture. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser entre les deux, quoi. Moi, peut-être qu'au niveau de son bras, donc celui qu'elle a en bas, j'aurais peut-être pas mis du noir. Enfin, je ne sais pas si c'est... En fait, au niveau de son épaule, moi, je serais restée vraiment plus dans des couleurs comme ce qui avait déjà été mis, en fait. J'aurais peut-être pas parti sur du noir. Il y en a déjà beaucoup. Et voilà. Là, je suis même pas sûr que ce soit de la peinture. Moi, je pense plutôt à une. Vous savez, les journées où on se balance de la peinture, là. De la poussière. Oui, enfin, ouais, la poussière. Et j'ai l'impression que c'est de la boue. Je vois plus un mode B ou quelque chose comme ça. Bon, Aurélie, si tu es en train de voir ce live, n'hésite pas à nous éclairer. Ouais. Moi, par contre, je tiens à revenir sur ce bras parce que je sais pas si vous voyez, mais on retrouve cette spirale là. Hop. Et donc du coup, ce bras, moi, je l'aime beaucoup, qui vient m'amener sur le visage. Ah oui, ça donne une rondeur. Et ce triangle-là, il est pas mal. Après, ça m'amuse. Non, mais ça vient, regardez, du coup, ça m'invite comme ceci. Ça m'invite à revenir. Qu'il est en train de dessiner. Et je reviens encore une fois, et je trouve ça pas mal du tout. Alors peut-être dans ce cas-là... Et on retrouve donc du coup cette spirale-là, que vous connaissez, je suis sûr. Oh. Bon, tu l'as pas bien dessiné. Ça m'ennuie un petit peu, ouais. Voilà. Non, On y est presque, on est presque, mais je trouve en termes de composition, c'est assez fort. Et c'est très simple, hein, ça fonctionne très très bien, donc pour moi, je te dis chapeau, parce qu'il faut quand même le mettre en place. Mais ça, c'est bien, faut pas hésiter, je pense, à même recadrer sa photo après sur l'ordi, et s'aider comme Alex vient de le faire en fait. Avec l'outil recadrage, on peut afficher grille des tiers, les ratios de cadre comme on a fait avec Victor tout à l'heure, et puis d'autres choses, quoi. On passe à la photo suivante, du coup. Ah. Alors, tu vois, on parlait de format hyper ouais, paysage, ouais. De Cléo Renard. Ah, ça c'est cool. Moi j'aime trop. Non, mais c'est le genre de photo que j'aime beaucoup faire, ouais. Même si je l'aimais pas à ce format là je trouve que c'est intéressant de voir les ombres au niveau du pied, qu'on voit pas forcément le visage de la fille aussi. Ça fait vraiment un instant de vie en fait. C'est totalement quand tu balades dans la rue, tu tombes là dessus tu prends. Et les lignes sont super intéressantes aussi. Enfin, c'est ce que j'aime. Florian a quelque chose à dire. Ah non, bah non, au contraire, ouais, je suis emmerdé parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi te dire. Je trouve ça super. Je kiffe. C'est presque de la jalousie. Et pourquoi ? Dis-moi pourquoi ? Qu'est-ce que tu kiffes ? C'est l'ambiance en fait, l'atmosphère. Quand je regarde cette photo, j'ai l'impression que c'est le screen d'un jeu vidéo ou d'un film. Ouais. Peu importe le sentiment que ça dégage, si on part sur une base d'un screen de film ou de jeu. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais sentiment ou un moment, une interlude entre un lendemain ou un truc en particulier, mais c'est le genre de moment où tu te lèves pas pour aller pisser quand t'es au cinéma, quoi. T'es dedans. Simple mais efficace, j'adore. C'est l'effet que ça me fait. Voilà, je trouve ça cool et j'ai envie de savoir la suite en fait. Ouais, c'est cool. Les lumières sont cool. La lumière qui éclaire, qui dessine son pourtour au niveau de ses cheveux, sa capuche, le devant de son manteau sont cool, les reflets dans l'eau sont cool, les reflets sur le balcon sont cool, les ombres sont cool. Ouais, les motifs. Cette photo est cool. Et le traitement coloré aussi. Ouais. Sans le cramer, là ? Ouais. Ouais, ça sent un peu le cramer. Alors avant que ça mette le feu à ma baraque, juste voir la cuisine. Ça sent un peu le cramé chez toi. Le cramé, au pire, c'est pas grave. Hein. Il y a tout le matos c'est qui est allumé. Là. Lui, il chauffe la plaque de... Qui s'est fait chauffer son café, là ? Et moi, j'ai demandé un café, mais j'ai Attends, toujours pas eu. Attends, ça fait une heure que la plaque, elle chauffe, mais vous êtes tarés. Mais vous êtes complètement... C'est les aléas du direct, comme on dit. Yes. Ah ouais, elle est top, celle-là. Donc ça, c'est ta photo, alors, ça. Moi, je la trouve déjà très colorée. J'aurais bien aimé, je sais pas pourquoi, voir une cerise ici avec un gâteau. Ouais, je vois une grosse montagne de gâteaux, tu vois, ici. Hop, oh là là. Un truc...
Là, il y a du triangle. Hein. Là, mais j'ai pas dit que j'aimais pas la photo. J'aime beaucoup. Parce que, voilà, pour moi, c'est une ambiance très girly. Pour moi, mais là, très... je pense qu'il veut contraster avec l'ambiance girly. J'aurais vu. Et oui, j'ai l'impression d'avoir une usine derrière ou une fabrique. Pas que derrière, mais. Regardez, elle a quand même un t-shirt ici à rock. Avec des lunettes qui font très 60s, d'accord. Donc, oui, en effet, le gâteau, il a pas lieu d'être. Le plot, pour moi, il est tout brûlé. Ouais, mais je pense que ouais, c'est... Ouais. Ah, avec le plot qui a eu... J'essaye de comprendre, hein. Je parle à voix haute, j'essaye de comprendre. J'ai envie d'avoir l'avis de Full Frame, alias Florian. Il dit pas de placement de... Mais un micro, déjà. Bah, très joli modèle. Moi, je vois pas ça girly du tout, mais je trouve ça cool. L'urbex, le style de la modèle, le plot cramé calciné. C'est pas du gros quepon de dernier degré, du gros punk à l'ancienne, mais je trouve que ça a un côté punk, et moi je trouve ça super cool. Et je comprends qu'il a voulu créer un contraste avec le plot VLC, là, défoncé. En fait, le plot est peut-être trop sur la photo, et peut-être que s'il avait été un peu plus décalé à droite, vers la fin de la photo, juste en mode à moitié, quoi, ça aurait été peut-être un peu mieux. Non, le portrait, il est top, mais ouais, c'est le plot qui attire un peu trop l'attention pour moi. Et Julie, t'as envie de dire quoi sur ce côté punk? Parce que du coup, ça m'invite à regarder ici, là. Non. En fait, je comprends pas le plot. Moi non plus. Qu'est-ce que ce plot vient foutre ici? En fait, on comprend qu'il y a un univers urbex, et peut-être que par ce plot, il a voulu montrer le côté urbex, mais trouver une autre manière de le montrer. À savoir, par exemple, elle met le pied dessus, en mode, ben, c'est un truc détruit, elle l'écrase, elle l'accentue. Donc là, on aurait une pose ultra posée. Et en même temps, on aurait le plot qui raconterait l'histoire. À savoir l'urbex, ce lieu détruit, et l'humain qui vient, qui piétine. Tu vois, t'as une histoire en deux. C'est surtout l'opposition avec le look 70, c'est pour ça que je comprends pas trop. Et qu'est-ce qu'il a dit, Valentin, du coup ? Il a choisi cet endroit parce que c'était industriel, il aimait bien la profondeur de l'endroit. Ouais. Et du coup, la pose a été choisie par la modèle, c'est pas lui qui a dit de poser comme ça. Et que oui, effectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire. D'envie de c'est vraiment particulière, ouais, intention, ouais. Et que le plot était déjà là. Ah voilà, c'est pas lui qui a mis le plot. Donc c'est la modèle qui s'est placée, voilà, à cet endroit. Je pense que c'est la modèle qui s'est mise à côté. Donc Antonin, si tu veux genre faire des photos qui sont pas juste, c'est Valentin, ouf, Valentin. Ne laisse pas les modèles diriger. ça c'est ta photo. En fait, c'est ta photo, c'est très important. C'est ta photo et la modèle, c'est ton sujet. Si la modèle prend le contrôle, c'est plus ta photo. Elle peut te proposer des choses. Mais tu peux arranger. Mais voilà. Ajuster, quoi. On doit sentir ta patte. Sinon, finalement, tous les gens qui viennent et qui disent oui, mais dès que t'as un bel appareil, tu fais de belles photos, et ben j'ai envie de dire limite oui. Tu vois, si tu prends pas le contrôle à un moment donné et te dire c'est ma photo, non, tu vois, bah là il dit qu'il adorait la profondeur, on la voit pas, la profondeur du lieu. On la sent, mais on la voit pas. Voilà, elle est perdue, tu vois. Donc mets en avant ce que tu veux mettre en avant. C'est ça qui fait que t'es un photographe et pas un cliqueur. Voilà. C'est beau. On lance le débat. Oui, je pense qu'on peut lancer le débat parce que là, il est. Yes, l'heure. Il est l'heure de se quitter. Merci d'être venu. Plus je vois ce plot et plus je le kiffe, en fait. Plus je le vois et plus je me dis mais putain, mais c'est génial. Regardez comme il tourne. En tout cas, merci Valentin pour ta participation. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Gardium, Clavios. Merci à vous, bisous. Bisous. Ciao.